C'est donc au tour de Claire qui va tout d'abord se soigner, je pense, et sanctifier la terre par là-bas. Je vais perdre un tour pour ça, mais il faut absolument que je récupère des cristaux. Donc voilà, il n'y a pas trop le choix. Donc, eh bien, Claire, elle va dépenser une action pour se soigner. Et donc, il lui reste maintenant 4 actions. Et donc, on va lancer. De toute façon, oui, je vais utiliser au moins 3 actions pour soigner la terre ici. Donc je vais lancer 3 dés. Je dépense 3 actions d'un coup, je lance 3 dés. Donc sur les 5 ou plus, hein, elle arrive à sanctifier la terre plus exactement. Bien, bien. Donc celui-là c'est loupé. Par contre, donc ça nous permet de récupérer tout de suite du cristaux. Voilà, et donc ça m'a coûté 3 actions. Une, deux, et trois. Alors, une. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai récupéré une blessure, je me suis soigné, j'ai récupéré une blessure. Une, deux, trois actions. Non, il me reste une action. Il me reste une action. Je peux soit essayer de récupérer encore ce cristal. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Oui, je pense que je vais. Ouais, je vais faire ça. Allez, tant pis. Enfin, tant pis, c'est pas tant pis. Dernière action. Non, raté. Ouais, je me doutais que ça pourrait pas marcher indéfiniment. Bon, c'est pas grave. Donc, elle a fait ses actions. On tire maintenant deux cartes héros. D'ailleurs, faut que je compte. Je crois qu'elle en a déjà 10. 1, 7, 8, 9, 10. Oui, elle en a déjà 10. Alors, ça n'empêche pas que je peux tout à fait piocher deux cartes. Et par la suite, défausser certaines si je veux. Ça, ben, je vais garder celle-là, une carte spéciale de plus. Celle-ci, voyons. Mon prochain général, a priori, ce serait Balazar. Donc je vais garder quoi qu'il arrive. Je vais garder les rouges. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a quasiment pas de. Je vais aller défausser une carte noire. Voilà. Donc là, je crois qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça va pas. Il faut que j'en défausse encore une, mais je défausse encore. Voilà, tant pis, elle n'aura plus de cartes contre Varcolac. Ok. Donc là, on a. Je vais utiliser ça tout de suite, puisque de toute façon ça ne me sert plus contre Gorgon, donc je vais l'utiliser tout de suite. C'est une carte spéciale, hein, donc je ne suis pas obligé d'utiliser une action. J'enlève tous les ennemis de deux endroits verts. Tous les ennemis de deux endroits verts. Je suis en train de regarder où est-ce que c'est le plus intéressant. Ici et ici, voilà, parfait. Donc ça, en fait, cette carte, elle s'appelait comment? Les archers-elfes. Donc on a eu de l'aide de la part des archers-elfes et on a pu éliminer tous les orques qui se trouvaient dans les forêts. Ça c'est très bien. Je vais juste vérifier quelque chose. Je veux savoir si je peux utiliser cette carte sans me dépenser une action. Parce que ça, j'en suis pas sûr. Oui, je pense qu'on peut, puisque de toute façon, on peut utiliser ces cartes pendant le tour des autres héros. Donc, a priori, on n'a pas besoin d'utiliser l'action pour les mettre en jeu. Parfait. Donc, maintenant, nous allons passer
À l'avancée des ténèbres, je dois tirer deux cartes. Donc là, ça va être tout de suite beaucoup moins rigolo. Scorpion Canyon. Et oui, tout de suite, c'est moins drôle. Et Greenleaf Village. Bon, on va commencer par Greenleaf Village. J'ai bien fait de récupérer des figurines orques. Et Scorpion Canyon. Donc, Scorpion Canyon, normalement, je suis censé rajouter un démon, mais j'en ai pas. Enfin, j'ai pas la place en tout cas. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un démon qui vient ici et un démon qui vient là, puisqu'on a un déferlement. Et ici, il va falloir que je mette un cristal de corruption. Ça commence à devenir compliqué là-bas. Et c'est Gorgoth normalement qui avance, mais Gorgoth a été éliminé. Donc, parfait. Et donc, c'était la première carte, mais il faut que j'en tire deux. Donc, on va tirer la deuxième, puisqu'on en est au statut de milieu de guerre. Donc, je tire deux cartes. La deuxième. Bon, en bas, c'est Balazar. C'est Saphir qui rentre à Monarch City, mais ça va, on a encore un peu de temps. Donc, là, ce sont les morts-vivants qui. Non. D'ailleurs, ici, c'est pas un mort-vivant, c'est un démon. C'est bleu. Là, c'est noir. Donc, bleu à Bounty Bay. Alors, Bounty Bay, c'est ici. Ça va. Pour l'instant. Il n'y avait personne à Bounty Bay. Et. Dancing Stone. Deux morts-vivants à Dancing Stone. C'est ici. Et ça va aussi. Voilà. Et donc, Saphir n'avance pas. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est bon, on a fait l'avancée des ténèbres. Maintenant, ça va être au tour du nain. Alors, le nain, qu'est-ce qu'il peut faire, le nain? Il peut faire plein de choses. Je pense qu'on va se diriger tranquillement vers Varkolak pour aller l'attaquer. Le nain, il a 6 actions, je crois, puisqu'il part d'une montagne. Débutez votre tour sur un dieu rouge, vous gagnez une action. Parfait. Ma première action, ça va être de venir ici gratuitement, parce qu'il faut faire un peu le ménage à Monarch City aussi. Et donc maintenant, on va attaquer. Je vais utiliser ma. Ça, c'était ma première action gratuite, donc j'utilise une action maintenant pour attaquer. Il faut que je fasse un peu de ménage. S'il y a 5 séides à Monarch City, une partie est perdue. Donc on y va. Alors, un d'éliminé. Ça m'embête cette. Ah non, mais. Non, non, il faut pas que j'oublie quelque chose. Le nain, c'est le tueur d'orques. C'est lui qui a tué Gorgoth, donc il n'y a pas besoin de lancer 2 dés pour tuer les orques. Voilà. Cet orque est automatiquement éliminé. Alors, ce qu'on va faire, donc là, on va faire ça. Donc, c'était la première action. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, j'attaque et j'élimine tout ce monde-là. Par contre, il faut utiliser une action. Je crois que c'est nécessaire quand même. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Il faut utiliser une action, mais on ne lance pas de dés. Donc voilà, ça c'était donc première action, deuxième action, troisième action. J'ai utilisé 3 actions, il m'en reste 2. Alors, je veux me rapprocher de Balazag. Bon, après il y a Saphir qui m'embête là ici avec parce qu'il est avec 3 séides, c'est un peu embêtant qu'il ait 3 séides avec lui. Faut pas trop que je me disperse là. Comment je fais ça? Non, allez. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Non, allez. J'ai décidé ça, je fais ça. Donc, ça c'est ma quatrième action. Et ma dernière action, ça va être d'attaquer ici. Et donc, c'est le pourfendeur d'un dragon. Donc il peut relancer les dés contre les séides draconiens. Donc je lance un dé, il faut que je fasse 5 plus. Hein.
contre le CI de Saphir, c'est 5 plus, et je relance 6. Je relance mon D6 loupé. Donc je relance. Et c'est loupé. Donc voilà. Donc par contre, il termine son tour sur le lieu avec un CI, mais on le sait. Il a la capacité armure et endurance qui lui permet d'éviter de prendre un dégât. Bien, je vais compter le nombre de cartes qu'il a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors lui aussi, il en a 10. Il en a 8 là et 2 là. Je me dis carte spéciale à part parce que c'est les plus importantes et je ne veux pas oublier de les utiliser. Donc je vais tirer une carte. Ok. Et deux cartes. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que lui aussi, on va se concentrer sur Balazac. Donc je vais garder, je pense, cette carte rouge. Ça fait beaucoup de dés, ceci dit. Je vais avoir beaucoup de dés contre Balazargue. Bon. Mieux vaut beaucoup que pas assez, mais. Bon, ben là, je vais défausser celle-ci. Ils ne me servent plus à rien, en fait. Hein. Enfin, ça peut toujours servir, mais. Ça me servira plus contre un général. Et je vais défausser. Allez, une carte contre Saphir. Parce que j'ai aussi des cartes contre Vercolac, mais j'ai 2 dés à chaque fois. Je préfère les garder. Ok. Très bien, prochain tour, il faut absolument aller attaquer Balazargue, sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, je tire deux cartes avancées des ténèbres. Donc, Wizard Hills et Father Oak Forest. Bon, et bien heureusement que j'avais enlevé les trois qui étaient là. Et Wizard Hills, c'est où ça déjà? C'est là-haut. Bon. Alors le seul problème, c'est que j'ai trois démons ici et donc je place un cristal de corruption. C'est quoi ça? C'est Windy Pass. C'est Vercolac qui avance à Windy Pass, mais seulement Windy Pass il y a déjà passé. Hop, il est là déjà, donc il avance pas. Donc il avance pas. Ok, deuxième carte. Tout est calme. Bon, parfait. Tout est calme, ça m'arrange. Alors, on va essayer d'utiliser le rôdeur pour faire un peu de ménage. Oh là là, déjà, il faudrait que je récupère des. Je vais avoir un problème avec mes cristaux, moi. Ça, c'est une évidence. J'en ai partout sur la table, ça va pas du tout. Ici, là, notamment. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, faut que je vérifie ce qu'il peut faire. Par rapport aux cartes qu'il possède. Il aurait fallu peut-être que je me rapproche par ici pour essayer de purifier la terre ici, mais non, j'ai pas de carte rouge, je peux pas. Ah, ça m'embête bien cette affaire. Alors, il faudrait quand même que j'arrive à récupérer un cristal, au moins. Bon, alors je sais ce que je vais faire. Je vais faire 1, 2, je viens ici. Je fais deux actions. Troisième action, je tue. Enfin, je vais essayer en tout cas de tuer l'orque. Donc, comme je suis dans les bois, j'ai plus 1 à mes dés de combat. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un 2. Ok, c'est bon. Il est éliminé. Donc j'ai fait 1-2. Troisième action, j'ai attaqué. Quatrième action, je vais défausser ce qu'il m'en reste ici. Une carte verte. Donc qu'est-ce que c'est? Oh, c'est deux portails. Où est-ce que c'est situé tout ça? Parce que ça peut être intéressant aussi de repartir après. Evensglade et Unicorn Forest. C'est où ça? C'est là-bas, d'accord. Bon allez, je vais défausser Unicorn Forest. Voilà. Donc j'ai défaussé Unicorn Forest et je vais utiliser. Donc je vais défausser pour ma dernière action. Je défausse cette carte. Et je vais défausser cette carte et je vais essayer de purifier la terre à cet endroit. Donc pour cela, je vais lancer 2 dés.
Et je dois obtenir, si ma mémoire est bonne, un 5. Où est-ce que c'est ça? Voilà, 2, 5 ou plus sur l'un des dés. Si je peux récupérer un cristal. Allez, ça serait bien que ça marche cette fois-ci. Bon, super. Excellent. Donc il me reste toujours qu'un seul cristal. Ça peut être le dernier tour du jeu, puisque maintenant. Alors combien il a de cartes lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, je peux en tirer 2 sans problème. Ce serait bien si c'était des. Zut. Hop. Si c'était des bonnes cartes. Bof. Bon. Il conserve pas mal de cartes contre Arcolac, lui. Ça peut être intéressant. Ben, avancée des ténèbres. Bizarre montagne. Alors. Ben voilà. Là, normalement, le jeu est fini puisque Bizarre Montagne, je dois rajouter ces deux CI d'ici, donc ça veut dire que je dois poser un cristal. Et je n'ai plus qu'un seul cristal, c'est le dernier cristal. Donc, je vais utiliser une de mes cartes spéciales. Je vais utiliser ça. On ignore le placement de Séide sur un endroit identifié par la carte des ténèbres, avancée des ténèbres. Donc ici je place rien. Voilà, ici je place rien. Par contre je place un mort-vivant. Donc je défausse cette carte. Carte spéciale, dommage. Bon, on verra. Tu aurais pu en avoir besoin après, bien sûr, mais. Fire River, je place un mort-vivant. C'est ici. Maintenant, c'est Saphir qui avance. Et lui, il avance. Alors Saphir, voilà. Hein, Saphir, il n'est plus qu'à un lieu de Monarch City. Et il avance avec deux séides. Séide bleu. Voilà. Donc ça, c'était la première carte avancée des ténèbres. Donc la deuxième. Cursed plateau. Zut. Zut, zut. Alors c'est pareil, Cursed plateau c'est là. Je dois placer deux démons. Et donc je dois corrompre la terre. Je vais mettre un cristal. Et Fire River, on serait bon. Et là c'est qui avance? C'est Balazar qui avance. Bounty Bay, ça m'arrange en fait ça. Non, ça m'arrange pas. Si, ça m'arrange. Il se rapproche. Bon, alors là, ce qu'on peut faire, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va aussi utiliser une carte spéciale. On va utiliser ça. Donc, on va. Comment je peux faire ça? Est-ce que je fais ça d'abord? Je sais pas. J'ai deux solutions. Soit j'utilise ça, ça me permet de battre tous les ennemis à trois endroits. Donc je choisis trois endroits, j'enlève tous les ennemis. Voilà. Et en plus, je choisis un de mes généraux, là, et je le pousse en arrière d'un endroit. Bon, c'est intéressant. Deuxième chose que je peux faire, c'est ça. C'est utiliser le sort de purification et j'enlève tous les cristaux de corruption d'un seul endroit, ce qui me permet de récupérer des cristaux de corruption. Des endroits, il y en a beaucoup, hein. Notamment ici, il y en a trois. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire, là? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire? Il faut que je me décide, il faut que je réfléchisse un petit peu. Bien, donc réflexion faite, je vais utiliser cette carte qui donc va me permettre. Je vais faire un peu de ménage en même temps et ça me permet de repousser un des généraux en arrière. Donc le général que je repousse en arrière, c'est Saphir pour l'instant. Et je vais faire le ménage, donc ben, ici.
Alors j'en enlève qu'un, mais c'est indispensable pour pas placer de cristal. Ici, parce que là, ils m'ont emmagasiné beaucoup trop de cristaux depuis le départ du jeu. Et ici, ici, voilà, ces trois-là m'embêtent. Allez. Bien. Voilà. Donc maintenant, je peux placer mes... Donc 2 à Cursed Plateau. Cursed Plateau. 2 à Fire River. Ils sont 3 déjà, hein, d'accord. Et... Ah oui. Balazar avance à Bounty Bay avec 2 démons. Donc, ok. Donc, ils rejoignent. Ils viennent encercler le nain à Bounty Bay. Ok. Bien. Donc, on va embrayer tout de suite sur Claire, hein, qui est là-haut. Et le but, c'est de venir attaquer Balazar. Donc, on va faire ça. Hein. Claire, elle a 6 actions. Première action, elle vient ici. Deuxième action, elle va attaquer. Elle va essayer de faire un peu de ménage là. Donc, deux noirs, un rouge. On touche à rien. Ah, si, 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 si. Elle a une attaque bénie, elle. Donc, elle met plus 1 à chacun de ses dés contre les démons et les morts-vivants. Donc, elle tue un mort-vivant. Parce que c'est 4, donc 3 plus 1. Ça, c'était sa deuxième action. Est-ce que je perds une action de plus ou pas? C'est une bonne question. Est-ce que je perds une action de plus ou pas? Non. Non. Troisième action, je viens ici. Quatrième action, je viens ici. Ok, il reste deux actions. Deux actions, il faut que j'arrive à éliminer ces cocos là. Donc, hop, hop. C'est parti. Donc, les deux démons sont éliminés. Les deux démons sont éliminés. Il me reste une action. Il faut que j'élimine le. Faut que j'élimine le draconien. Allez. Petit 5 là. Loupé. D'accord. Donc, bah, l'hélicier, elle perd un point de vie, hein, puisqu'elle est sur au même endroit qu'un séide. Elle termine son tour au même endroit qu'un séide. Bon, c'est dommage. Alors, combien elle a de cartes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, faut que je le défausse. J'ai oublié. Donc, elle a 8 cartes. J'en tire 2. Ok, aucun intérêt. Et aucun intérêt pour ce que je veux faire tout de suite, en tout cas. Bien, l'avancée des ténèbres. D'accord. Donc c'est Balazar qui est censé bouger, mais il bouge pas. Il a déjà dépassé Angel Tear Falls. Thornywood 2. Alors Thornywood, c'est par où? C'est par là-haut. Bon, ça va encore. Mermaid d'Arbor. Je crois qu'il n'y a rien, Mermaid d'Arbor. Exact, c'est ici. Ok. Monarch City. Spécial. Placer un CI de chaque couleur. Placer un CI de chaque couleur qu'un des minions adjacent à Monarch City. Soit minion of each color, data de minion adjacent. Bon, alors j'ai du mal là. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? On doit déplacer tant Monarch City? Bon, placer un CI de chaque couleur. Qui a des CI adjacents à Monarch City? Donc on les place dans Monarch City. Ok. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu cette carte-là. Ok, donc quels sont les. Il y a rouge. Et il y a bleu. C'est tout. Donc il faut que je passe un bleu. Je
question, c'est... La question, c'est est-ce que j'ai déjà un rouge là? Est-ce que je place un rouge quand même? Placer 1 million de chaque couleur qui est 6 millions. Bon, je passe un rouge aussi, je pense que voilà, il y en a déjà. Ah non, il y a vert aussi. Non, c'est pas ça. Voilà, je crois que j'avais déjà vu cette carte. En fait, on place 1 million de chaque couleur adjacente à. Voilà. Mais un rouge, il y en avait déjà un, donc j'en place pas. Il y a déjà le rouge, le vert ici, le bleu ici. Voilà. Et un noir, il y a un noir aussi. Bon, mais il y a de tout. Super. C'est la fête. C'est la fête. Ok. Donc 1 million de plus, la partie est perdue. Et je dois remélanger tous les decks. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, ça c'est chose faite, j'ai remélangé les decks. J'aime pas trop ça, parce que alors là, ça contrecarre un peu mes plans. Ça contrecarre un peu mes plans, je veux dire. Parce que je voulais attaquer avec le nain là, tout de suite. Je voulais attaquer Balazargue, mais ça m'inquiète plus que Balazargue en fait. Ou alors je compte sur lui. Ouais, mais il faudrait pas qu'il y ait. Faudrait pas qu'il y ait de surprise quand même. Hein. Bon, je suis bien embêté. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Comment je peux faire ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, je vais déjà attaquer. Je vais déjà attaquer celui-là. Donc c'est 5 plus, mais il peut relancer les dés contre les draconiens. C'est parti. Donc louper. Et louper. Donc ça c'était sa première action. Ok. Première action. Deuxième action. Pareil. Louper. Je sens que ça va être... C'est bien parti là. Si, c'est bon. Bon, voilà. Donc... On a utilisé deux actions. Ce qui veut dire qu'il en reste trois, n'est-ce pas? J'ai bien envie de faire un, aller attaquer, et deux, un, bouger ici, deux, attaquer, trois, revenir et déclarer l'attaque du général. Non, parce que j'ai plus d'action. Oh zut, 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 zut. Bon. Comment, tant pis, ben on va espérer que tout se passe bien. Je déclare que j'attaque le général. J'ai pas beaucoup de cartes, mais là il faut avancer un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 dés rouges. Et Claire, elle en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 aussi. Ok. Donc le pouvoir spécial de Balazargue, c'est que pour chaque carte qu'on met en jeu, on doit lancer un dé. On doit lancer un dé et pour chaque carte utilisée, voilà, on lance un dé. Et sur un résultat de 1, la carte est défaussée. Donc je vais commencer par les cartes du nain. Donc est-ce que je mets que ces cartes-là en jeu? C'est une bonne question. Ça fait combien? Ça fait 10 cartes. Il a 6 points de vie, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup 10 cartes. C'est pas beaucoup. Oh là là, non, 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 non. Bien, donc j'ai mis des cartes en ligne comme ça, de façon à voir que celles qui sont gardées, celles qui sont éliminées. Voilà, espérons que j'ai rien oublié. Donc je lance. Je vais commencer par Claire en fait. Non, par le nain. Oui. Puisqu'il est déjà. Bon, si un des deux a une chance d'éliminer Balazarc, c'est sûr, ce sera pas le premier, je pense. Ça va être le deuxième. Donc autant que le tueur de démons soit un autre que le tueur d'orques. Un autre héros. Donc pour chacune des cartes, je vais lancer un dé. Sur un 1, la carte est défaussée. Première carte. Deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Ok, donc je lance 1, 2,
3, 4. Non. 1, 2, 3, 4, 5D. 5D. Et donc, pour Balazar, qu'il s'agit de faire 4 ou plus. Allez. Très bien. Très bonne réussite. Très bonne réussite. Donc, je le touche une fois. Je le touche une fois avec 5D. Le rôdeur va défausser cette carte. Je crois que là, c'est de la battle luck. Donc, le joueur actif peut rejouer tous ses dés ratés. Donc, mon main va relancer ses 4 dés. Je pense que là, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Allez, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux puisque ça me permet d'infliger 4 dégâts à Balazargue. 1, 2, 3, 4. Il reste plus que 2 dégâts à infliger. J'aimerais bien que Claire lui inflige ses dégâts. Donc on va voir ça tout de suite. On va tirer les dés pour chacun de ces cartes. Donc je dois pas faire de 1, sinon la carte est défaussée. Ok. Parfait. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si j'ai pas un peu mélangé leurs cartes à un moment. Ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, puisque de toute façon elles sont mises en commun pour le combat. Mais il est fort possible qu'il y ait des cartes de lui qui soient passées à elle quand j'ai aligné tout ça au départ. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. L'important c'est de ne pas oublier de défausser. Donc 4 plus. Donc elle, sa compétence contre les démons, malheureusement, ne marche pas contre Balazargue. Ouais. Ne peut pas être utilisé contre un général. C'est dommage. Là, j'aurais été plus tranquille. Allez. 4. Très bien. Très bonne réussite. 1, 2. Balazargue est éliminé. Balazargue est éliminé. On va retirer sa figurine du jeu, la placer ici. Prendre le petit marqueur, le donner à Claire, qui sera maintenant la pourfondeuse de démons. Bien, c'est une bonne nouvelle. On va défausser toutes les cartes rouges qu'on a utilisées. Et donc j'avais la possibilité d'utiliser cette carte-ci, qui me donnait 2 dés. J'ai tenté de la garder parce qu'elle est très importante celle-là. Elle me permet d'enlever tous les cristaux d'un lieu. Donc quand on voit que j'en suis plus qu'un seul cristal, bien. Récompense. Dans récompense, Claire a gagné ça. Et maintenant, elle n'a plus besoin de lancer des dés pour tuer les démons. Ils gagnent chacun 3 cartes héros. C'est la spéciale qui m'intéresse. Ok. C'est celle qu'on a. Non, c'est pas la même, puisqu'elle est là. C'est la même carte, mais. En tout cas, le même bonus. Ok. 3 cartes pour le nain. 2, 3. Lui, il a gagné que du vert et du rouge, ce qui ne nous intéresse plus du tout, mais c'est pas grave. Ok, et donc le rôdeur, ben, rien du tout, puisque le rôdeur. En l'occurrence, il n'a pas participé au combat. Donc, j'ai utilisé 2 actions. Première action, j'ai tué le séide. Deuxième action, j'ai attaqué le général. Il me reste donc 3 actions. Donc, je vais utiliser une action pour venir ici. Une action pour attaquer, donc ça, le vert est automatiquement défaussé. Donc une action pour attaquer, un bleu, un démon, un mort-vivant et un draconide. Donc j'ai plus 1 contre, donc je pourrais jeter mon dé contre le draconide. Donc,
Le démon, les morts vivants sont tués, puisqu'on les touche sur 4+. Et je fais un 3 contre le draconien, je vais relancer ce dé. 5, très bien. Parfait. Ah, j'ai oublié, chaque fois que je tue un mort vivant, je le pose là. J'ai dû oublier ça depuis un petit moment. Hein. Bon, mais je vais essayer d'y penser à partir de maintenant. C'est sa quête, ça. Voilà le genre de truc que j'oublie. Je suis sûr que j'ai tué d'autres morts vivants. Faudra que je vérifierai. Je vérifierai, si c'est le cas, je les rajouterai sur la carte. Donc voilà, il a terminé. Non, il lui reste une action, d'ailleurs. Pas dire de bêtises. Séide, une action. Deuxième action, attaque du général. Troisième action, bouger là. Quatrième action, une attaque. Il reste une cinquième action. Une cinquième action. Qu'est-ce que ça peut être, la cinquième action? Cinquième action. Ça peut être de se rendre. Peut-être. Je sais pas. Ben si je repars ici pour ma cinquième action. Voilà. Bien, on a juste oublié là. Il faut avancer. Ici. Voilà. Alors ça change rien, on tire toujours deux cartes. Une, Wyvern Forest et Seabirdport. Deux à Wyvern Forest. C'est où ça? Donc voilà. Deux ici, je serai obligé. Je suis obligé. Normalement de faire un. Seabirdport, c'est où? C'est là-haut. D'accord. J'ai déjà placé ces deux-là là-haut. Je vais placer ces deux-là là-haut. Je vais voir ça tout de suite. Bien. Donc, ici, deux à Seabirdport. Donc, normalement, la partie est terminée là, hein, puisqu'il ne me reste plus qu'un seul cristal que je dois placer à Wyvern Forest. Mais non, en fait. Ça, je le sais, donc c'est pour ça que je fais du le plaisir. Normalement, Saphir, il va à Evensglade. Ok, Saphir, il en vient. Evensglade, donc il n'y a pas de mouvement de général. Wyvern Forest. Je vais pouvoir y placer un cristal parce que j'utilise immédiatement ceci, le sort de purification, et j'enlève tous les cristaux d'un seul endroit. Donc on va y aller là où il y a le plus, hein. C'est pas compliqué, il y en a trois ici, je les enlève. Voilà, donc je gagne trois cristaux. J'ai bien fait de pas utiliser, on voit que j'ai bien fait de pas utiliser ce truc. Bon, je gagne un petit peu de temps, hein, mais alors, Wyvern Forest, donc j'en place un. Ensuite, il y a bien sûr un déferlement sur tous les lieux adjacents. Là, ça fait beaucoup de lieux adjacents. Voilà. Déferlement ici, déferlement ici, ici et ici. Et donc, je place un cristal ici. Donc, on est d'accord. Hein. C'est trois démons pour qu'il y ait une corruption. Hein. Il y a deux démons et un orque. Donc, tout va bien. Donc, voilà. Je crois qu'au niveau des déferlements, c'est bon. Au niveau de la corruption, c'est bon. Combien il me reste d'orques? Bon, ça va. Ça gère pour l'instant. Ok. C'était la première avancée des ténèbres. Malheureusement, il en reste encore une. Donc j'ai peut-être gagné du temps pour rien. On va voir tout de suite. Ghost March. Ghost March. C'est là-haut. Ensuite, Whispering Woods. Whispering Woods. On est bon aussi. Avancée des ténèbres, Father Oak Forest. Oula, il avance avec 3 séides. Est-ce que c'est là qu'il va? Oui, c'est là qu'il va. Mon Dieu. Heureusement que le lieu avait été vidé. Hein. Whispering Woods, on est d'accord. Ouais, Father Oak Forest. Donc, Varkolak, il va falloir que j'aille attaquer Varkolak. Avance avec 3 séides. Par contre, à partir du moment où l'avancée avec Varkolak, où la Varkolak va être éliminée,
Il va falloir aller très vite ensuite pour éliminer Saphir. Voilà. Bien. Le tour du nain est terminé. Je pense que j'enchaînerai le tour du rôdeur, que je vais retourner dans une prochaine vidéo.